Previously on The Walking Dead. Shut up, Carly! I've heard enough out of you! Now, what the fuck's the problem? Just get in. We'll figure out what to do with you. I was trying to protect all of us. Holy shit! She's stealing the RV! I don't know much about you folks, but I can tell you as sure as the sun's gonna come up tomorrow. If y'all keep going on like this, and that girl ain't gonna make it. What do we do? Give me the gun, kid. I'll do it. I think we should look for your parents. Really? Yeah. You need to know if they're okay, and, well, if they're not, what happened to them? I was the one giving the bandits supplies. What? It's all my fault. We gotta jump! What? No way! You son of a... Shit! Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me, whether Lee wants you to or not. Now, what I need... Who the fuck? I don't know, but I doubt we're gonna be happy when we find out. Just for a little while, we're getting real close to where my mom and dad are. Maybe I can... Not now. I need you to focus. Keep your attention on the street. Okay, sorry. How's Omid? His leg's pretty bad. I'm fine. You're not fine. You need to rest. He needs to rest. Kenny, how much farther to the riverfront? It should be just a few more blocks up ahead. And there'll be boats there? Sure as hell better be. There'll be boats. Have to be. Have to be. It's going to be okay. Kenny knows what he's doing. What the hell? Maybe this city's not so dead after all. Keep moving. No one's ringing that bell. It's automatic. On a timer. What kind of church bell goes off at 20 past the hour? Someone's up there! Are you sure? I don't see anything. Hey! Hey, you up there! Damn it, Lee. Keep quiet. You're gonna... If I were you, I'd get out of the street now. I thought you said that thing didn't work. Hello? Hello? Are you there? What was that? Is someone trying to fuck with us? Sounded more like a warning. Ask not for whom the bell tolls. What are you yammering on about?
It tolls for thee. Everybody, run! River Street's right up ahead! That's not all. Oh, give me a fucking break! Wait, where the hell's Chuck? Shit, he's in trouble. We gotta help him. There's no time. We gotta go, now! I'll be fine. Just go! I'll get the door. You okay? Yeah. You've opened up your wound. You're bleeding. Shit, it's gonna get infected. We gotta get him inside. Clean him up. Kenny, how's that door coming? I'm working on it, I'm working on it! We'll work faster, would you? Won't be long before those things outside figure out where we went. You know they can smell blood. Let me see if I can find us a way in. Bonjour à tous, c'est Yoplay et bienvenue dans cette première partie de l'épisode 4 baptisé Partout de notre Let's Play sur The Walking Dead. J'espère que vous allez bien après la fin définitive, ça y est, de The Last of Us. Les aventures de Joël et Ellie se sont terminées. J'espère qu'en tout cas ce Let's Play vous a plu, on y reviendra un petit peu plus tard. Et c'est une semaine aussi un petit peu particulière, puisque un autre Let's Play, un début de Let's Play, un tout nouveau Let's Play, viendra ponctuer cette fin de semaine, plutôt dimanche je pense, oui ça sera dimanche, du côté des 21h dimanche soir. Ça sera assez exceptionnel, puisque sur la chaîne jusqu'à présent, aucune vidéo n'était apparue le week-end, mais là, dimanche soir à 21h, je compte sur vous pour être présent. Un nouveau Let's Play viendra compléter tout ça. Et donc, si vous savez, si vous suivez tout simplement la chaîne, vous savez de quoi je veux parler. Une première partie de ce quatrième épisode un petit peu compliquée pour moi à tourner, puisque ça fait une semaine que j'essaye de tourner cette vidéo. Plusieurs fails, la première, le son, la deuxième, l'écran, la vidéo, enfin, c'était un petit peu compliqué, il m'a fallu donc me remotiver un peu. C'est pas grave, hein, les épisodes se sont enchaînés de votre côté, mais moi j'ai eu un petit peu de mal à me remettre dans The Walking Dead. Mais voilà, on est reparti pour un tour, donc vous avez eu le résumé de ce qui s'est passé précédemment. Je vous rappelle que les actes de Ben, juste ici, ont eu des conséquences. Je vous rappelle que à cause de lui, mais à cause de cette personne, s'est enchaîné derrière la morsure de Duck, le suicide de Katz, la mort aussi de Carly et le départ de Lily. Nous étions très très peu nombreux. Nous avons fait la connaissance dans l'épisode précédent de Omid et Krista.
Ces deux personnes qu'on a donc rencontrées la dernière fois, on avait d'ailleurs poussé au mythe pour qu'il récupère le train, et donc il s'est blessé à la cheville un petit peu plus tôt. Ben, qui vient tout simplement encore une fois d'abandonner, on peut pas vraiment trop compter sur lui, d'abandonner Clémentine à son sort. Heureusement, Chuck, la nouvelle personne que nous avions rencontrée aussi précédemment, était là pour lui porter secours. On n'a d'ailleurs pas de nouvelles. Est-ce qu'il s'est sacrifié? On ne sait pas vraiment trop encore. Et donc Kenny qui est au plus mal, hein, on peut le comprendre, et qui veut à tout prix rejoindre les bateaux dans cette ville, le port, pour pouvoir quitter la Terre, tout simplement essayer de trouver quelque chose de plus safe, on va dire. Alors nous sommes de retour, nous sommes arrivés donc ici dans cette grosse maison où il va falloir peut-être trouver quelque chose pour entrer. Alors, on imagine que ça va être forcément possible, pour au moins que l'ami Omid se repose. Allez, on va discuter déjà à tout le monde, en commençant par Clémentine. Do you think the dead people saw us come back here? Are they going to find us? Non. No, they didn't see us. We were too fast for them. I can still hear them out there. It sounds like they're getting closer. It's just your imagination. I'll feel safer when we're inside the house. Alors, on va essayer de trouver donc une solution pour faire rentrer tout le monde dans cette grosse maison. Je vous rappelle aussi qu'on a cette histoire de talkie-walkie, là, hein, juste ici, que possédait jusqu'à présent Clémentine. C'était une façon pour elle de parler à ses parents, qu'on suppose morts, hein, depuis le début de l'aventure, bien évidemment. Il s'avère que quelqu'un lui répondait, ou en tout cas très récemment, et on l'a appris. Alors, est-ce que c'est la même personne ou pas que ce clocher qui vient de sonner? Une personne, on a vu une personne courir. Je ne sais pas, on ne sait pas encore, mais il va falloir résoudre tout ça. Et cette personne m'a fortement puisqu'elle nous surveille apparemment. How's he looking? I'm all right. You're not all right. You've reopened your wound, you're losing blood, and God only knows what might have gotten in there. It could be infected, it could be... No offense, but you really need to work on your bedside manner. On va s'en occuper. She's just worried about you, man. Don't worry. We're gonna get you fixed up in no time. Just as soon as we're inside, okay? Okay. Thanks, man. Please go and help Kenny. We need to get him inside now. I'm on it. Just sit tight. Hey, I'm not going anywhere. Ok, donc eux, de ce fait, c'est réglé. On leur a parlé. On va écouter un petit peu ce que Ben a à nous dire. La fenêtre. Think we can get in through one of these windows? Man, I don't think so. Whoever owned this place had them all barred up. Yeah, looks pretty solid. À propos de Kenny. How do you think Kenny's holding up? I don't know. It's like all he can think about is finding a boat. He definitely doesn't want to talk about Katja and Duck, at least not with me. Maybe we should just let him deal with it in his own way. À propos de Clémentine. What happened back there on the street? I know. I don't know what happened. I just froze up. Hasn't that ever happened to you? Just hear what I'm saying to you. You put that girl in danger again. It won't be walkers you have to worry about. I hear you. I'm gonna go check things out. All right. Bon, alors on va aller voir Kenny maintenant. Qu'est-ce qu'il nous raconte, l'ami? You think maybe someone's still inside? Nah, we'd have heard from him by now, all the racket we're making. But whoever was here did a pretty good job fortifying it. Nice place to hole up. We could just figure out how to get in. Oui, carrément. Si on arrive à rentrer, ça pourrait être bien sympathique, puisque oui, il est vraiment bien fortifié. Elle est très 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 fortifiée, cette baraque. Hey, how you holding up, man? Lee, I appreciate the interest. But I don't think talking about my feelings right now is going to help us get inside this house. Ça avance la porte. How's it coming? Found a way in yet? Door's locked up tight. Too heavy to force it without making a whole lot of noise. Maybe there's a better way in. Well, if there is, I ain't seeing it. Maybe you should have a look around. See what you can find. Ok, donc on va essayer de jeter un coup d'œil à la fenêtre. Damn. Rien de particulier.
Le portail, Chuck n'est toujours pas présent. Ici, on a quoi ? On a une tombe. Looks like something was buried here. Est-ce que c'est pas peut-être le un chien, un chat ? Je ne sais pas. Il y a une niche à côté. Alors, on suppose que ça pourrait être un chien. Ok. Alors là, on pourrait regarder aussi. Not thirsty enough to drink that yet. Ouais, l'eau doit pas être très bonne, effectivement. Une pelle. On peut la prendre, peut-être ? The shovel is never not useful. Maintenant, on va pouvoir se battre avec. C'est cool. Ah, il y a un truc ici. On peut pas mettre peut-être un coup de pelle, mais on va vérifier déjà ce que c'est. Looks like there's some kind of pet. Ouais, une chatière, ouais. I tried it already. That's locked too. Who the hell ever heard of a locked doggy door? I have. My neighbor had one just like that. It's radio controlled. The dog wears a collar with a chip in it, so the door only opens when the dog gets close to it. Well, shit. Every day's a school day. All right. So, where's the dog? Eh bien, précisément, dans sa tombe, enterré, tranquillement. Donc on va déterrer tout ça, on va essayer de récupérer le collier du chien qui est enterré. Digging up dead things isn't what it used to be, you know what I mean? Yeah, I hear you. Pour pouvoir peut-être réussir à rentrer dans cette maison. What's buried down there? Whatever it is, it's been here a while. Ew, I can smell it from here. Gross. Clementine, honey, come sit with me in Omid. Let Lee work. Oh God, the smell. Ah, le collier. Allez. Can't get it off. Okay, that is not cool. Are you okay? I'm fine, honey. It's just the smell. Are you sure you're... I said I'm fine, okay? Bon, on a récupéré le collier, donc on va voir ce qu'on peut faire avec au niveau de la chatière. On imagine qu'elle va pouvoir s'ouvrir, mais après, on va avoir le problème de pouvoir passer. Parce que ça a l'air vraiment rikiki, le bordel. Yes! God damn! You see anything in there? No. Looks like it's been empty a while. Whatever you're gonna do, do it fast. Okay, let me see if I can reach up in there. Be careful, man. It's no good. I can't get it. Here, let me try. I think I can... Clem, are you okay? Say something! Good job, Clem. Yeah, way to go. I did good, right? Yes, you did. You did good. Can we maybe have this conversation inside? My leg's starting to hurt like hell. Looks okay from here. Everybody in. No, it's okay. I'm good. Feel better already just being off my feet. Thanks, babe. So, when were you gonna tell us about the radio? Tell you what? That it's working.
That there's someone else on the other end of that thing. You didn't think that might have been worth sharing with the rest of us? I was gonna tell you. Kenny and I only found out yesterday. So both of you were keeping it from the rest of us. Great. Who gives a shit about the damn radio? I'm more worried about whoever it was out there ringing that bell and bringing the dead down on top of us. It's like they didn't want us to make it to the river. What makes you think it's not the same person? Whoever was on the radio was close enough to see us in the street, and we didn't see anyone else other than the guy in the bell tower. Because that doesn't make a lick of damn sense. Why would they bring out the dead like that and then try to warn us about it? How much sense does anything make anymore? In case you haven't noticed, there's a lot of twisted folks out there these days. At least the dead don't play games with you. Whoever it was, seems like they're following us. And I don't like being followed. All the more reason to get on a damn boat where we can't be followed. I'm not going back out there anytime soon. Omid needs to rest. I think we could all use a little time to rest up and gather our thoughts, Kenny. At least until those walkers outside wander off and Omid's feeling better. He best feel better quick. I ain't gonna wait around here too long. Place seems secure at least. I'll feel better when we know that for sure. We need to check the whole house. Alright, fine. You and me will take the upstairs. Lee, you've got down here. Make sure you check every door, understand? Okay. Can I help? What if there's another locked door? I think you've been helpful enough for one day, kiddo. Why don't you just see if Kristen and Omid need anything, okay? Okay. Et bien voilà mes petits amis, on va se laisser déjà ici pour cette première partie. Je suis comme d'habitude bien évidemment enchanté de pouvoir vous partager toutes ces vidéos et de vous retrouver sur cette quatrième partie. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire savoir que ça vous a plu avec les petits pouces bleus. N'hésitez pas non plus à revenir sur l'aventure dans les commentaires. Je serai bien évidemment ravi de pouvoir vous répondre. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait, si la chaîne vous plaît. On se retrouve donc dès demain à 16h, toujours à la même heure pour la suite des aventures de Lee et Clémentine et tout ce petit groupe. Et je vous rappelle donc que dimanche prochain à 21h précise, il y aura un nouveau let's play qui arrivera sur la chaîne et on aura l'occasion d'en reparler d'ici là vendredi. Voilà mes petits amis, d'ici là donc prenez soin de vous, portez-vous bien et à très vite. Allez, salut, bye.